Eh bien salut à toutes et à tous les amis, je suis Trunks le Panda et on se retrouve pour un nouveau stream sur le jeu The Last of Us. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Attendez, on va checker les balles parce que là on n'est pas très bien quand même. Checkons les balles. Ah oui, on est vraiment plus que pas bien en fait. Ah oui, on a le lance-flamme, on a ça, on a le pépon. Putain, mais on a des balles nulle part quoi. Pour le moment je sais pas trop ce qui va nous tomber dessus, donc je peux pas trop dire on va faire ceci, on va faire cela. On attend pour avoir plus de vie parce qu'on prend tarif quand même dans le jeu. On a des bombes. Alors ça, des bombes on en a, on sait pas quoi en foutre mais on en a. Attends, peut-être que je les utilise un peu plus du coup, ça m'économiserait peut-être un peu des balles. D'accord, ils utilisent des panneaux solaires un peu rudimentaires, enfin pas les panneaux solaires mais l'installation est un peu rudimentaire pour l'alimentation électrique, mais soit. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Ah, merci. Jetons un coup d'œil. Ouais, c'est ça. Alors. Toupidoupidou. Est-ce qu'on garderait pas notre arme à la main? Mais non, pas ça. Le mec rentre avec sa bouteille. Est-ce qu'on picolerait pas un peu? Oh, nice. Eh oh. Ah là, ça c'est pour les améliorations. Ça, il y en a de plus en plus. Alors, amélioration, arme longue. Ah, c'est pour avoir une arme longue en plus. Ça, ça peut être pas mal. Vraiment, je vais prendre ça parce que ça, ça nous manque. Cadence de tir, ouais. Cadence de tir, à la limite. Ouais. Rechargement de celui-là, ça pourrait être pas mal. Vitesse de rechargement, là aussi, ça pourrait être pas mal. Lance-flamme. La portée du lance-flamme, ça peut être pas mal aussi. Ou la puissance, à voir. On va augmenter la vitesse de rechargement de ça parce que c'est vraiment très très lent à recharger. C'est un peu l'angoisse. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et du coup là normalement, voilà c'est ça, on a une seconde arme. Donc en seconde on va pas mettre lance-flamme, on va le garder pour les gros mobs. On va mettre le pompe. Voilà, au cas où il y a une petite horde qui nous vienne dans le dos. Et ben on a notre notre fusil à pépon. Alors waouh, feuille mourir. Excusez-moi, j'ai respiré de travers. Oui, oui, si, si, c'est possible. Ah, super. Mais vas-y, loot tout d'un coup, quoi, sois pas con. Plein. Mais non. C'est pas possible. Ah, d'accord, c'est parce que j'ai plus de scotch. Oh, des pilules, ça c'est parfait. On est à la chasse à la pilule. Mais un truc de dingue. Ah. Excusez-moi, je suis à moitié en train de crever. En même temps. Du scotch, filez-moi du scotch. Donc là, on vient de là. Ah, là, il y a des tiroirs que j'ai pas fait. C'est très bien. Mais t'es sérieux, là? Alors, attends. J'ai jamais de munitions, tu vas pas me dire que je suis plein, quand même. Et voilà, pour une balle. Une balle! Une balle, ça peut faire la différence. Salut, requin! Ah, j'avais que je commence à avoir peur, je me suis dit, putain, y a pas de modo, on est pas bien. C'est un connard qui déboule, on est mort. C'est l'attentat, tout le monde va mourir. On n'a pas encore le droit hein, de faire les... de faire des blagues sur le Bataclan, hein. On est d'accord. Alors, donc je ne la ferai pas. Donc, on va dire que la porte, on la laisse de côté pour le moment. On... Là, là, franchement, je prends deux minutes pour essayer de bien loot. Parce que niveau balle, vous avez vu ce qu'on a. Ça picote, on n'est pas bien. Vraiment, on n'est pas bien. Comment ils vont faire? Faire quoi? Pour prendre le remède.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même fait une nouvelle miniature. Ils vont juste prendre un peu de sang. Qui est de type qualitative. Comme à peu près toutes mes miniatures, je le sais. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, je les trouve qualitatives. Après, bon. Voilà. Un surin. Bon, allez. Et voilà. Dites-moi qu'il y a des balles. Dites-moi que j'ai pas gaspillé un surin pour pas de balles. Outil de niveau 4. Je sais même pas à quoi ça sert. Oh, des munitions de lance. Mais putain, mais les ciseaux, je peux pas aller. Oh. Eh oh, les zombies, venez nous bouffer, on est là. Ah putain, il y a trop de pilules, ça c'est bon ça. Encore 5 pilules. Encore 5 pilules et je peux augmenter ma santé maximum. Des blagues sur le Bataclan, c'est pas très Charlie tout ça. Ouais, non, c'est pas très Charlie, mais c'est pour ça que je l'ai pas faite. Je me suis dit non, voilà. Après, même quand on fait des blagues sur un truc triste en fait, et terrible, c'est pas pour ça qu'on oublie, qu'on se moque ou quoi que ce soit. Enfin, genre... moi, je suis partisan du truc qu'on peut rire de tout tant que on a du respect pour les choses, quoi. Bon, on n'est pas très bien, mais par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, il nous manque que 5 pilules. Des pilulasses, comme on dit dans le métier. Non, cocktail Molotov, non, non, pas du tout, ça sert à faire les trousses de soins. On va peut-être pas se permettre ça quand même. Faut pas déconner, mémé. Ah bah je fais l'inventaire, ouais, tout est réglo. Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Je suis désolé vu que je me suis à moitié étouffé. Obligé de prendre un peu de Ventoline parce que je suis asthmatique. Et quand je prends de la Ventoline, je peux pas respirer pendant genre 10 secondes donc... c'est pour ça que je parle pas. Voilà, c'est pas juste que je vous boude ou que... voilà. Ou que j'ai plus envie de parler, c'est juste que... voilà, c'est comme ça. Sinon je meurs. Et vous avez pas envie de me voir mourir en live. Ou alors c'est pas très gentil. C'est pas très très gentil. Y'a rien dans les caisses, on peut pas fouiller les caisses. Mais ça c'est quoi ce jeu? Je veux fouiller les trucs moi, je veux courir plus vite. Arrête de trotter gros, c'est chiant. Ah ça c'est la lampe torche. Très bien. Ouvre cette putain de porte. D'accord. Merci le script qui vous la porte à ma place. Aucun cadavre. Cassez-vous con de script. C'est bon signe, non ? Il faut qu'on trouve où. Ah du scotch. Oh des balles. Je m'en fous des balles en fait, je veux du scotch, c'est tout ce que je veux. Là maintenant on peut ramasser les ciseaux et je ne vous ferai pas l'affront de redescendre à l'étage d'en dessous pour ramasser les ciseaux. Mais je le ferai si je joue en solo. Mais voilà, là je... voilà quoi, on va pas se faire chier à perdre du temps. C'est pas très important. Déjà que voilà, les phases de loot dans ce jeu, c'est pas passionnant. Hein? Heureusement qu'il y a un streamer de qualité. Pour ne pas vous ennuyer. Oh c'est bon, on a les pilules. On a les pilules. Oh, 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 oh la santé max. Oh tu la sens la santé max. Oh, tu le sens le beat zemo là. Le beat te mal. Oh, la santé max. La santé max. Oh oh la santé max. Pourquoi j'ai une petite brique dans la main? On ne sait pas. Prends pas tout d'un coup surtout gros, hein, t'inquiète. C'est bon, on a tout notre temps. On a que ça à faire pendant 2 heures. Putain, m'a fait trop peur enfoncer la porte ce con. Ah bah là, il y a des pilules partout dans ce niveau quoi. Il y a des pilules dit partout.
Mais c'est bon quoi, faites des phases, faites des zones de loot plus petites et mettez plus de munitions. Parce que là c'est long, c'est chiant. On s'emmerde. On s'ennuie, on se fatigue. Et les gens après ils restent pas sur les streams quand c'est chiant, long et fatigant. Et si je passe les phases de loot comme un gros bâtard, bah après j'ai pas de balles et je meurs et c'est chiant aussi. Donc message à tous les développeurs. Il y a des développeurs sur ce stream. Eh bien, faites des phases de loot plus courtes. Parce que là, on s'emmerde. Merde. Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Ah ouais, j'avais trouvé deux balles. Du coup, je peux un petit peu recharger mes armes. Ce qui est plutôt pas mal. Au fait, ça va les gens? Bah oui, j'espère que ça va les gens. Moi, j'ai demandé tout à l'heure, mais... je crois que les gens, en fait, ils sont posés dans leur lit, tu vois, avec le stream, comme ça, tranquille. En plein écran. Ils s'en battent les couilles du chat, le genre. Il y a des gens qui regardent, mais les gens, ils s'en battent les couilles du chat. À part les spammers. Eux, ils adorent ça. Eux, ils s'en battent les couilles du stream, ils aiment juste le chat. Tu vois. Comme sa mère, il m'a fait peur. Moi, c'est pas des claqueurs. Ouais. Ni des lucioles. C'était peut-être les lucioles en fait. C'est la planète des singes 2. Continue de chercher entre bras. En fait, on est allé dans le passé. Non, pas du tout, c'est pas ça le scénario. On a pris un vaisseau spatial, on est allé dans le turfu et on est revenu sur Terre. Et en fait, les lucioles sont des singes. Gros scénario. Pas du tout inspiré d'une œuvre très connue. Allez, donnez-moi des trucs. Donnez-moi du loot. Donnez-moi des balles. Et puis aussi du scotch. Parce qu'on aime le scotch. Bonjour Vladimir Boldiref. Qui m'appelle par mon prénom. Du coup, je suppute que c'est quelqu'un qui me connaît in real life. Comme on dit par chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut crafter? Mais non, mais des bombes et tout, j'en ai plein. Je peux pas les faire. Mais c'est terrible. C'est terrible. La cinématique. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, je connais la ville. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Putain, c'est qui ces types? Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Ok, donc les lucioles sont tous partis. Forcément, sinon le jeu serait terminé, c'est pas drôle. Donc voilà, maintenant on doit échapper à des tireurs snipers embusqués. Je sais pas ce qui est pire entre ça ou les infectés. Je lirai le stream après la scène d'action. On économise les balles, hein. Ah, c'est elle qui tire quoi.
Ah c'est bon, on a la hache. Ouais, je lirai le chat après la scène. Hein. Putain, elle est vulgose la petite. Hein. Connard. Oh là, ils sont chauds là. Vas-y, utilise tes balles. Toi, t'es un bot, tu les as illimités. Moi, j'y vais à la hache, quoi. Ah! Zblé. Ah, mes fesses. Ils sont où ces cons? Ah, il y en a un là. Oh la jugulaire. Oh des balles de pompe. J'encaisse. Presque mort. Ouh. Faut qu'on se soigne. Ah, j'ai bien géré sans gaspiller de balles, quoi. Enfin, sans en utiliser tout court, en fait. Je suis con. Dites-moi qu'il avait des balles de pompe, lui. Non. Promis, je lis le chat juste après, hein. La. Non, pas de balles non plus, pas de balles. Putain, mais les mecs ils viennent sans balles quoi. Sans déconner. Ils ont des armes mais ils ont pas de balles. Donc qu'est-ce qui se passe sur le chat? Quelle bande de flemmards le chat. Je découvre ton stream. Je suis pas trop. Alors, je ne savais pas que tu étais un surdoué du gaming, je découvre. Surdoué du gaming, pas spécialement. Mais un grand passionné, oui, ça c'est clair. Mais après, surdoué, non. Sinon, je galérerais pas tant que ça. Alors que là, dans ce jeu, je galère un peu, par exemple. Vas-y, ça m'a saoulé là de pas arriver à tirer. Non mais je veux la barre. Voilà, merci. Il y a des balles de quoi? Oh, de pompe. Comment on va jouer pompe? Ça va pomper. Alors attendez, on va changer cette arme là parce qu'on a presque plus de balles. Ah, puis j'ai une envie de pisser là. J'ai pissé avant le stream pourtant, mais alors je sais pas pourquoi. Toujours au mauvais moment. Oh, zblé! Ah, salut Cricou! Ellie surveille ton langage, putain. Et des enfants qui regardent le stream. Oh merde! Oh, on n'est pas bien. Oh, carrément la barre de fer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Ah, ça picote, hein. Oh. En plus, il a le canon de son pistolet qui ressort par l'anus, c'est horrible. On peut pas loot? Le mec il pisse le sang, il va crever, on peut pas loot? Je vois personne. Allons-y. Joël, tu vas bien?
Ouais, ouais, j'ai les testicules et la rate explosées, ça pisse le sang, c'est génial. Tu gères la fenêtre ? Ouais. Ah, bien sûr, mets-moi un obstacle qui fait souffrir l'entrejambe, c'est parfait. Allez, ah putain, il y a du sang partout quoi. Waouh. C'est chaud. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sors de là. Ah, c'est là, là, c'est au niveau du bas du ventre qu'il est troué. Merde. Il faut qu'on le fasse sortir. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joël. Allez, viens. Ah, je suis à fond dans le jeu, là. Putain, c'est... J'espère que la musique, elle est assez forte pour vous. Oui. Alors marche, merde! Marche, bordel de merde! Vas-y, marche, Joël! Allez! Ah, c'est dur à contrôler, hein. Voilà la sortie. Encore un peu, allez! Séquence émotion, donc les conneries sur le chat, je lirai après. Oh, comme elle est vénère, la gosse. Chaud. Joël. Allez, lève-toi. Salut, Dédé. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Une chanson. Tu me devras un Twix. Si je te sors de là, tu me devras 4 tours de poney. Je vais ouvrir. Allez. Quoi, il va canner quoi. Elle est beaucoup trop vénère. Elle. C'est un ranger quoi. Elle tire aussi bien que toi. Ah non, mais elle tire mieux que moi, en fait. Hein, parce que moi, il me faut 3 balles avant d'arriver à leur mettre un carreau sur ce jeu. Parce que la visée, je la trouve terrible. Mais par contre, elle, elle tire bien, quoi. Carrément bien. Tu peux monter ? Oh putain, j'ai mal, quoi. J'ai mal pour lui. C'est horrible. En fait, cette séquence, elle est super forte. Enfin, moi, avec le casque et tout, c'est ouf, quoi. Vous, je sais pas si ça rend aussi bien en stream, parce que le son est pas le même. Mais... Genre, j'ai mal pour lui, quoi. Je crois extrêmement bien mis en scène. Joël. J'ai rarement mal pour un personnage de jeu vidéo. Dans les films, ça me le fait. Joël. Et pour un perso de jeu vidéo, ça me le fait pas. Bon, après, là, c'est entre un film et un jeu vidéo. C'est extrêmement scénarisé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Extrêmement mis en scène. Il y a beaucoup de cinématiques. Donc voilà. Allez, tu dois te relever. Joël. Chaud. D'accord, il s'est passé un peu de temps quand même. C'est pas le cadavre de Joël, ah non, c'est juste un lapin. C'est un lapin. Pimpin, oh, il est trop mignon. C'est peut-être un lièvre, remarque. Oh là. Il est trop mignon. Il était trop mignon. En même temps, faut bien bouffer, hein. C'est bon le lapin d'ailleurs. Ça durera pas très longtemps. Quoi, les vénères, elle, hein. Tu lui ferais peur.
Ok, on va partir à la chasse. À la chasse au gros gibier. Oh. Ça vous rappelle pas Red Dead? Alors, petite pause de secondes là parce que j'ai une envie de pisser, mais à couper au couteau, c'est une horreur. Alors, qu'est-ce que vous avez dit sur le chat? Parce que du coup, j'ai pas pu lire. Ça fait toujours mal perdre derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Tu as l'air bien au courant. Il n'y a pas besoin de savoir. Elle tire aussi. Ça me rappelle Assassin's Creed 3. C'est vrai. Les scènes de chasse dans la neige à l'arc. Te voilà. Ok. C'est quoi cette petite reprise de Chris, de Kiss? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté la musique, j'ai une playlist. Si tu veux, j'ai une playlist qui est direct. Comment dire? Qui est sur YouTube et tout, et du coup. C'est de l'électro swing, je crois, que j'ai mis. C'est même plus. Mais du coup, j'ai pas écouté. Ah, il est là-bas. Donc, il faut pas faire de bruit, je suppose. Donc on va y aller tout doucement, à pas de loup. On va suivre ses traces. Je pense qu'on peut le shooter d'assez loin, genre d'ici, ça doit être faisable, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pire chasseur du monde. Alors, sachez que moi, j'ai déjà fait du tir à l'arc en vrai. Je vais faire un petit raconte ta life. Et j'ai déjà fait du tir... Mais j'étais jeune, hein. Et j'ai déjà fait du tir à l'arc 3D, c'est-à-dire du tir à l'arc en forêt sur des animaux en polystyrène, et c'est super drôle. Surtout de tirer... tirer entre les jambes de l'ours, histoire de lui faire un magnifique pénis. Et du coup, j'ai déjà tiré à l'arc sur des cerfs à 50 mètres, mais ils étaient en polystyrène. Et je trouve ça plus facile en vrai que dans les jeux vidéo. Les arcs dans les jeux vidéo, c'est souvent une emmerde, pas possible. Donc là, on va éviter de marcher sur les branches. Parce que les branches, ça fait crack. Là, là, franchement, le cerf dans la vraie vie, ce serait déjà barré. En bivouac, tu me laisseras faire. Putain, mais l'angoisse, quoi. La visée dans ce jeu, c'est toujours un putain d'enfer. Je bouge à peine le joystick, ça part à 50 mètres, gros. Ah, là, j'étais. Ah, là, j'étais. Ah, dans le cul. Non, pas dans le cul. Putain, vas-y. Ah! En bivouac, tu me laisseras faire, tu veux dire, pour chasser? Ah, bah, de toute façon, mec, moi, avec mes 2 mètres, mes 120 kilos, genre, le pas léger dans la forêt, dans la neige, on peut oublier, quoi. Vise la jugulaire. Non, mais attends, déjà, j'essaie de viser la biche. Je touche à peine le joystick comme ça, genre, un tout petit coup. Genre le viseur il part là, il part 2 mètres à côté, c'est horrible. Franchement ça sera la souris, oui je vise la jugulaire, mais là ce... franchement la visée dans ce jeu c'est vraiment un enfer. Donc là on voit il y a du sang. Et c'est vraiment le jeu, un des jeux qui me pose le plus de problèmes avec la visée quoi. Enfin les jeux Naughty Dog en général, parce qu'Uncharted c'est le même problème. Mais parce que sinon, sinon dans d'autres jeux, c'est carrément pas gênant quoi. Ellers. Ellers. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, il est pas bien. Alors, vous voyez, on s'approche de la galine de Sandré. Elle craquelette. Elle claquette. Oh, merde. Putain, mais j'ai pas envie de le faire souffrir, j'ai envie de le finir, quoi. Il est parti où? Il est parti où? Alors, la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, c'est le bon chasseur. Bon, non, le mauvais chasseur d'abord. Le mauvais chasseur, il voit un truc. Le mauvais chasseur, il tire. Il voit un truc, il tire, le mauvais chasseur. Alors que le bon chasseur, bon, il voit un truc. Tu vois, il voit, le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire.
Mais c'est pas pareil, c'est un beau chasseur. Eh ouais, j'ai eu des accidents. Une fois, il y avait ma chienne Lolita et j'ai crusté une galinette cendrée. J'ai tiré quoi, c'était ma chienne. Ouais, puis aussi, il y a 6 mois, j'ai tiré sur mon gosse quoi. C'est l'accident bête quoi. Je crois que c'était une galinette cendrée, j'ai tiré, c'était mon gosse quoi. Ouais, c'est triste. Hein. Bah, une chienne comme Lolita, je retrouverai jamais d'eux. Hein. Alors arrêtons de jouer au con. Non mais là c'est pas possible, là il est en train de crever au loin. En vrai là, en vrai il devrait mourir et on devrait le finir au couteau. Ça va que c'est dans la neige. Attendez. Il a tourné. Ah non, il a pris par là. D'accord, il y a du sang ici. Ok. Non mais c'est bon, je sais où il est. Ça va, le jeu. Prends-moi pour un autiste aussi, je te dirai rien. Merci. Fait toujours plaisir. Ça fait toujours très plaisir. Poupidou poupou. C'est clair, j'avoue, c'est un peu abusé, quoi. Bon, pas pour longtemps, avec le sang qui perd, quoi. Perd 1 litre à chaque pas, là. Cette biche, on va l'appeler Joël. Tu sais, le biche de troué, elle en peut plus, mais. Continuera à aller jusqu'au bout du monde. Joël la biche. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas en animal. C'est peut-être un cerf, c'est peut-être un je sais pas. C'est peut-être un daim, j'en sais rien. Je sais même pas dans quelle région on est, je sais même pas quels sont les animaux. Très mignon les daims. À Nara au Japon, il y a plein de daims. On peut leur donner des cookies, ils sont trop mignons. Alors. Tu. C'est quoi cet endroit? Non mais sans déconner là. Oh, super. Tout va bien. Cet endroit n'est pas glauque du tout. Non, non. Il n'y a pas du tout un violeur de petite fille de l'espace des zombies qui va venir te choper par derrière et te séquestrer pendant les 25 prochaines années. Pas du tout. Crois-moi sur parole. Ah ben voilà. Et là on l'a fini au couteau. Ah, ça va, d'habitude ils vont crever dans le ravin les machins. Qui est là? Montrez-vous. Salut. On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous... Oh, il est vénère. Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements. Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Elle est pas conne, hein. Elle est loin d'être conne. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous.
Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Alors ? Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée.